Bonjour, aujourd'hui nous sommes allés à Nauze. Donc je vais vous faire part de ce qu'on a trouvé avec mon chéri. Donc, on a trouvé de la lessive. Il y en a 3 litres. 3 litres à 2,99€. Voilà, 3 litres de lessive, 2,99€. Ensuite, on a pris 2 petits papiers de Pernigotti. On a 2 petits paquets de boules chocolatées. Et on a payé ça 0,69 centimes. Donc on en a pris 2. Et plus de chocolat. Donc 2 tablettes de chocolat. Une tablette de chocolat à 1,58 Côte d'Or. Avec des pistaches caramélisées. Et une tablette de chocolat au lait à 0,79. On a trouvé une bouteille de vin pour la cave, comme d'habitude. Donc celui-ci, c'est du Baron François Pomerol, de 2011. Et on l'a payé 5,99€. À l'origine, c'est un vin qui doit valoir dans les 18€, je pense. Alors, on a repris des petites boîtes comme ça parce que je les ai faites et c'est vraiment très bon. Il y a un panna cotta et tiramisu à 0,99€. Et ça fait des desserts excellents pour vraiment pas cher. Ensuite, alors ça c'était des sachets de semences 0,39. Alors ce qu'on appelait des lanternes chinoises dans le temps. Voilà. Et des zinnia. 0,39 le paquet. Et je cherchais des cosmos. Et comme il n'y en avait pas. Donc, on a été jusqu'à Intermarché, mais à Intermarché, j'ai trouvé un paquet de Cosmos pour environ 1,60. Donc, c'est pas du tout le même prix. Donc, une montre, j'ai payé 2,99€. Comme d'habitude. Des serviettes en papier, puisqu'on en passe beaucoup. Alors, les serviettes en papier, je pense qu'elles n'étaient pas chères du tout. Les serviettes en papier, 0,98. Voilà. 0,98. Ensuite, j'ai trouvé une branche avec des petites marguerites. Ça, c'est pour accrocher dehors sur la terrasse. Parce que j'ai une cage à oiseaux avec des oiseaux qui s'éclairent la nuit. Et je trouvais qu'ils faisaient un petit peu tristouner tout seul dans la cage. Donc, j'ai trouvé une branche à 1,99€. Donc, je l'installerai. Et une fois écartée, ça fera plus joli dans le... sur le côté de leur cage. Voilà. J'ai trouvé cette petite, on n'appelle pas ça une pochette, ça a un nom bien spécifique. Je me souviens plus, je chercherai le nom. Avec une panthère dessus. Voilà. En métal. Et
je l'ai payé 2,99. Ah, c'est vrai, c'est pas ton lourd. Quand on l'ouvre, elle a une chaîne. Voilà, ça fait une pochette. Ça fait une pochette. Très jolie petite pochette. Hein. Voilà. Avec la chaîne qui va avec. Donc la chaîne, il y a des petits crochets. Franchement, j'ai trouvé que c'était marrant. Disons original. Alors, il faudrait que je trouve le nom. Parce que c'est un nom bien spécifique. Ces petites pochettes miniatures là. Voilà. Très mignon, dedans c'est en velours noir. Et à la rigueur, on peut en faire un petit coffret. Hein, parce que c'est joli comme tout, donc on peut en faire un coffret. Et puis, mon homme s'est trouvé des jeux. Il y a longtemps qu'il n'en avait pas trouvé. Donc il s'est trouvé des jeux à 0,99. 0,99. Celui-ci. Et puis j'ai trouvé une petite bague. Que j'ai trouvé originale. Voilà. Alors moi j'en ai plein, donc je ne sais pas quelle main me la mettre. Enfin bon, je vous la mets là. En l'occurrence, voilà. Avec des petits brillants. Très jolie petite bague. À 0,99. Et ben ça sera tout pour nos... Ah si ! Un dernier truc que j'allais oublier parce que c'est plus gros en plus. Voilà, je me suis trouvé un sac. Alors, un sac de la marque Julma. Et je l'ai payé 4,99€. Un très joli sac, qui est grand comme tout, d'ailleurs. Et alors... pour l'ouvrir, voilà, l'intérieur a un tissu tout brodé, il a plein de poches partout, l'autre côté c'est pareil, il a encore plus de poches avec du tissu brodé, il est très joli, et une poche à l'arrière en plus, donc j'ai trouvé qu'il était pour le prix même pas 5€, et en plus on peut mettre beaucoup de choses dedans parce qu'il est très large. Voilà, et bien ça sera tout pour cette fois et je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt.